Bonjour, là c'est une vidéo pour vous démontrer, pour vous expliquer comment utiliser ZPWhatsApp avec ses fonctionnalités. Oui, il faut changer les paramètres. Oui. Vous savez, il faut venir au niveau des ZPCT. Là ça apparaît comme ça. Confidentialité, trucs, les chats, les statuts, tout ça là, il faut les changer. Sinon, ça ne sert à rien d'installer l'application. Une fois que vous venez par freeze last city, c'était comme ça quoi. Ouais. Il faut commencer par la privacy and security. Vous activez ici cette case-là, comme ça. Vous venez au niveau des contacts, vous activez la première case, la troisième, la quatrième, la cinquième, et laissez la deuxième case-là. On ne va pas cocher la deuxième case. Après, il faut appuyez sur OK. Vous venez au groupe, vous faites la même chose. Broadcast première et deuxième. Et troisième. Vous laissez la deuxième. Comme on avait fait au niveau du contact et groupe. Vous descendez. Disable. Vous activez ici. Ici, tout ça là pour que si quelqu'un t'envoie un message et qu'il supprime le message, toi tu pourras voir le message, même si c'est supprimé. Mais aussi les statuts supprimés, là, tout pourra les voir. Et c'est fini, merci. Et n'oubliez pas d'abonner et aimer la vidéo. À la prochaine fois pour une autre vidéo.